Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bien. Est-ce que vous faites tout ça pour savoir si c'est chaud? Oui, c'est chaud. Nouvelle vidéo, 24 heures où je mange Phoenix. Pour ceux qui ne connaissent pas Phoenix, c'est une application qui est du même principe en fait que Too Good To Go. J'ai réussi à le dire. Ah, c'est une application anti-gaspi et du coup, bah, Molly elle chasse les pigeons, mais... Molly, t'es en train de m'énerver, tu chasses pas les pigeons, hein. Moi, je veux pas de mort, s'il te plaît. Une fois, elle a tué un oiseau, du coup, j'allais mourir. Du coup, bah, je voulais tester Phoenix, l'application anti-gaspi, voir si c'est aussi bien que Too Good To Go. Je trouve qu'en tout cas, j'ai pas trop de choix. Beaucoup de choses en boulangerie. Ça, c'est super, parce que vous connaissez mon amour pour la boulangerie. Après, en termes de salé, je trouve qu'il y a pas grand-chose, hein. Voilà. D'ailleurs, faut que je regarde pour ce midi. Attendez, je regarde. Là, j'ai rien pour ce midi, quoi. Genre, nothing at all. Bon, je verrai après parce qu'en fait aujourd'hui je fais le déménagement de ma soeur. Donc là, faut que je mange, et j'y vais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris hier pour le petit déjeuner d'aujourd'hui. Parce que en fait, en général, quand vous prenez un panier boulangerie, c'est souvent le soir. Donc après la journée que vous devez aller récupérer. Donc moi, j'ai été hier soir. Du coup, j'étais dans deux boulangeries différentes. Un pour le goûter, un pour le petit déjeuner. Alors, du coup, j'ai eu du pain. J'avoue, j'ai mangé le crouton, parce que moi je suis obligée, quand je prends du pain, je mange le crouton, c'est base. Deux pas de flan, mais attendez, mais oh my god, ma mère elle adore les flans, donc je pense que je vais lui ramener, parce que vraiment c'est sa passion les flans. Regardez comment ils sont beaux en plus. Deux croissants, voilà, j'en ai deux. J'ai eu ça, fait genre pizza panini un peu, donc c'est pizza fromage, et ça a chauffé. Petit café au lait avec mon coco. Nuts barista, ma passion entière. Alors moi je vous avoue, les croissants, c'est pas mes trucs préférés. Bien sûr, je suis team pain au chocolat. On sent que c'est pas frais, mais vous savez ce que j'aime bien? C'est que à l'intérieur c'est bien garni, vous voyez. Genre j'ai l'impression de manger une brioche, c'est fou. Il est très bon ce croissant. Mais est-ce que c'est pas un croissant surgelé ça? Hier j'étais à Action, j'ai acheté ça. J'avais jamais goûté avant hier, vraiment. Dans de là, je vois, oh les amis, j'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient que je leur fasse des dédicaces. J'ai vu que la maman de Sophia a commenté ma vidéo, elle a dit moi j'aime bien Myriam. Mais Sophia, big up, moi aussi je t'aime, je vous aime tous. Très bon le pain, hein. Moi je vais manger l'autre croissant, j'ai la dalle, hein. Là j'ai la dalle ce matin. Donc du coup ce panier, moi je suis très satisfaite. Oh, j'ai pas goûté le flan. Franchement il est très bon. Je regoute. Manger du flan le matin, c'est trop bizarre. Bon les gars, moi je vais aller déménager ma soeur. Du coup, je vous emmène avec nous, bien sûr. On va suivre les péripéties du déménagement. Ma soeur, je suis arrivée et tu sais, t'as le parking qui est ouvert. On est d'accord, ta fenêtre, elle donne sur le parking. Ça serait plus simple, non? Allez, vas-y, on tente. On tente. Qui ne tente rien à rien. Bonjour les mimos. Elles sont trop bien ces lunettes. Ouais, je les ai pétées à Sophia. J'adore. Attends, je vais essayer. Vas-y. Hey, je vois pas. Ouais. Je viens de trouver un truc, ça s'appelle Loulou Pizza. Ce panier est composé de deux pizzas senior. Hop, finalisez la commande. Loulou Pizza, la pizza Nutella. Comment j'aime trop ouvrir ça. Viens, on reste ensemble. Viens, on reste ensemble. Merci. La prochaine fois, j'appellerai. Direct. Voilà, du ouais. Coup, j'aime bien végétal, sans forme, sans viande. Ok, ça marche. Ok, bon bah merci beaucoup. Vraiment, je suis une bolosse. Mais je suis une bolosse en fait. J'ai pas appelé pour dire que j'étais végétarienne, du coup, il y a que de la viande dans les pizzas. Je veux mourir. Franchement, ça m'énerve d'être comme ça, je suis trop bête. En fait, je pars toujours du principe que je vais pouvoir m'arranger sur place, mais il est fait en avance les pizzas, c'est normal en fait, il gagne du temps. Mais hyper sympa, il m'a dit la prochaine fois tu m'appelles, tu dis Loulou, je veux une pizza végétarienne et voilà. Mais c'est pas grave, il y a une pizza où je peux enlever le jambon. J'ai une viande hachée, une pizza viande hachée, je la donnerai. Je la donnerai, c'est pas gâché. Rien n'est gâché, c'est anti-gaspi les amis. Moi je trouve ça cool parce que vous voyez là, la pizzeria elle est hyper cachée. C'est dans une rue pavillonnaire, tu t'imagines même pas que t'as une pizzeria ici. Enfin c'est surtout pizza emportée, hein. Et je trouve que cette application du coup ça peut permettre de découvrir en fait des petits restos, des petits restos de quartier comme ça. Et en plus c'est super sympa le monsieur, donc vraiment là pour l'instant j'ai pas à goûter. Je sais pas ce que ça donne. Sarah elle a même pas voulu prendre ma pizza, regardez ce qu'elle mange. Et là c'est le jambon. Voilà,
Heureusement que le gentil monsieur d'hier m'a donné une part de pizza VG. Mais c'est impossible, je peux pas retirer ça. Si Molly, je vais faire une heureuse. Ah bah là. Ma sœur, elle me dit, mais comment je peux avoir des invendus à midi? Alors moi, je pense honnêtement, c'est parce que, genre vraiment, la pizza était cachée, mais de ouf, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est pour se faire connaître ou. Parce que vraiment, elle était dans une zone pavillonnaire, tu te dis pas qu'il y a une pizzeria là, quoi. Ouais, mal placée, quoi. Ouais. Alors, elle a pas l'air incroyable. Bon, elle est froide. La base tomate. Elle est super bien assaisonnée, il y a de l'ail. Même la pâte, je trouve qu'elle est bonne, c'est juste que là elle est froide parce que j'ai mis du temps, mais... Pour 13 balles, t'as deux pizzas aussi. Hein. Bah ouais. Ouais. Donc je sais pas trop si ça vaut le coup, quoi. Est-ce que pour vous, ça vaut le coup 12 euros de deux pizzas? Ça me pense à quoi? Les pizzas de Tunisie. Mais oui. Mmh. C'est pour ça que j'aime bien, moi. Ouais, c'est ouf. Mmh. Franchement, le loulou pizza, pas mal. C'est du coca? Non, c'est de l'eau. Non. Si. On aurait trop le seum. Pourquoi? Ah, j'avais trop envie de coca. Est-ce qu'elle est bonne l'eau du McDo? Bah c'est de l'eau filtrée, ouais. Elle est fraîche. Ça c'est bon. Pas bon. En plus c'est du pain avec du fromage. J'ai des desserts, faut que je te montre. Waouh. J'ai tout ça en vrai, mais je trouve que ça vaut pas les 12 balles quoi. C'est vrai, moi je trouve que ça va. En fait non, parce que tu sais pourquoi? Parce que genre j'ai déjà fait des too good to go. Je payais 5 balles et j'avais tout ça. Ouais. 5 balles tout ça ma soeur. Oh viens, on met nos lunettes toutes les deux à côté, on va se ressembler. Est-ce que ça aurait pu être ma Jums? Quand même pas. Pourquoi? Bah. Ça veut dire que je suis plus... mais. Ça veut dire que je suis plus vieille, tu crois? Non. Je pense pas. Ah ouais? Mmh. En fait, moi, je suis plus mat. Du coup, voter même tête ou pas? Éclair café. Je vais être intransigeante. Bah, je suis mitigée. Pourquoi? Parce que la crème du milieu, je suis pas fan. C'est trop. Moussé? Compact. Non. Ça se déchire au lieu de... Ouais, ça se déchire au lieu d'être tendre. Par contre, le glaçage, j'aime bien parce qu'il est épais. J'aime pas la crème du milieu, vraiment. Elle manque de goût en plus. Bah moi, mon sundae caramel, je donne... Est-ce que t'as demandé ton avis? 8 sur 10. Je goûte celui au chocolat. À mon avis, je pense que ça va être un peu pareil. Elle est folle. Je suis tellement déçue. Tellement. 12 balles pour ça, quoi. Les personnes qui travaillent au McDo, là. Pourquoi vous mettez pas la dose de caramel? Mais je pense qu'ils ont des consignes aussi. Je pense qu'ils se font disputer, tu vois. Ah ouais? Moi, j'aime bien les tartes citron meringuées. Moi, j'aime pas. Je vais faire une journée avec toi. Qui vote pour que je fasse une journée dans la vie de Sarah? Voir ce qu'elle mange. Voir ce qu'elle aime. Je vais être intransigeante, je vous le dis, avec ce monsieur. Alors là... Il m'a pas fait de cadeau, je lui fais pas de cadeau. Ça va? Moi. Non, j'ai dit ça va. Ah. En vrai, ça va. C'est pas la meilleure que j'ai mangée. En fait, c'est la tarte, elle est un peu... Je trouve que ça manque de subtilité. Je trouve que c'est grossier, en fait. Et j'ai l'impression que je critique, alors que moi, je suis absolument pas pâtissière, mais... En tant que grosse consommatrice de pâtisserie, je peux me permettre, tu vois. J'en ai mangé des très très bonnes et... Je critique pas, tu donnes ton avis. Je trouve que c'est un peu grossier, je trouve que ça manque de subtilité, de d'aération, je vais dire. C'est pas aérien en fait, c'est très bam bam, vous voyez, c'est mastoc quoi. Alors, je pense qu'il va être généreux du coup dans ce qu'il fait. C'est dense. C'est dense, ouais. J'ai bien mangé encore comme il faut, gras et sucré. Vous soyez pas choqués, je me suis fait une petite beauté entre temps. Parce que ce soir, je vais... à la radio, mais en gros je vais voir un ami faire de la radio pour... C'est Beurre FM si vous connaissez. Donc là on va goûter et ce soir, du coup j'ai commandé dans un traiteur italien à Charenton-le-Pont exactement. En fait j'essaie d'appeler depuis tout à l'heure parce que je veux pas genre avoir des lasagnes, des trucs à base de viande quoi. Bon ils ont... à 17h42 ils doivent être fermés, je sais pas mais... Et je vais boire un cordial. Ceux qui ont vu ma vidéo où je mange comme dans mon enfance, les candiops, c'est toute ma life. Depuis que je suis petite, je mange ça, je bois ça. J'adore. Au chocolat, à la fraise, vanille, je suis un peu moins fan. Moi, j'ai installé un hein, dans un petit endroit favori. Oh, ma soeur, elle a plié mes pulls. Mais non. Merci, Sarah. Ça, c'est une soeur, ça. Ça, big up. Big up à la soeur. Là, je vais repartir en Savoie. S'il y a des personnes de Savoie, donc je repars dans ma station, à la station où j'étais, Valseny, à Lens-le-Villard. Donc s'il y a des personnes qui habitent là-bas,
bah venez, on va skier ensemble, venez, on va déguster ensemble, ou si vous avez des restaurants à me conseiller, mettez-les moi en commentaire. Je sens pas ce petit truc là. Franchement c'est bon. J'ai pas grand chose à dire. Pomme, amande. C'est bon. Oh, j'ai mon vernis aussi, regardez. J'adore. Je suis full black là. Franchement la tarte citron meringuée, c'est pas mal hein. Par contre très sucré. Très très sucré. Ah je vous jure je fais 24 heures sans sucre. 48 heures sans sucre. 48 heures. Pour ceux qui me connaissent, bah vous savez que c'est dur. Et après je ferai une semaine. Déjà 48 heures c'est bien. On fait comme ça. On fait comme ça. Bon les gars, je vais chercher mon phénix là. Mais ils m'ont pas répondu. Très bizarre. J'espère que je me fais pas arnaquer là les gars, je vous le dis. Eh hey, non mais là, c'est trop pour moi. Écoutez, le restaurant il est fermé. Genre fermé. Il n'y a pas de resto en fait. De comment c'est possible que l'application ne soit pas à jour en fait. Là c'est 15 balles les gars. C'est 15 balles hein. Ah non non non. Je les contacte Phoenix là. Je suis en train de leur parler. Ils me disent ouais c'est quoi votre problème là, là, là. Donc je leur dis, je l'explique tout et tout. Merci pour votre message. L'équipe Phoenix revient vers vous dans les plus brefs délais. Bah moi je vais être remboursée en fait, c'est pas ça la réponse que j'attendais. C'est merci pour votre message, je vous rembourse. Donc bah là les gars c'est mort pour ce soir, hein. J'aurai pas mon phénix, j'ai des restes donc ce soir je mangerai mes restes. Mais là je suis dégoûtée de ouf. C'est pas genre 5 euros, c'est 15 euros. 15 euros. Et pour 15 euros il y avait entrée plat dessert, j'avoue ça c'est cool. Mais quand même, quand même. Là je suis arrivée à la radio du coup et bah je vous emmène avec moi, on va voir un petit truc sympa. Et je vous tiendrai au courant si je me suis fait rembourser de Phoenix. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beur FM en ce mercredi 18 janvier 2023. On est ensemble jusqu'à 21h, chers auditrices et auditeurs, sur la plus belle des radios, votre radio préférée. Au menu de cette émission, en ce début de soirée, on en parle avec toi, Louis-Marie. Bonsoir Louis-Marie. Ça te fait plaisir de revoir justement Joko. Je rentre de la radio, c'est super cool, vraiment. Trop trop cool, j'aime trop aller à la radio. En fait, j'accompagne un ami à chaque fois et je kiffe. Je sais pas, j'aime trop. Je voulais vous dire que ce soir je vais pas manger. J'ai pas très faim. J'ai mal à la tête. Je sais pas. Moi j'aime bien vous montrer vraiment des moments où je suis toujours bien au top et tout, mais. Miram, arrête de pleurer! Putain! J'aime pas vous montrer ça. Je vous jure, en plus, je sais qu'il y a des gens proches de moi qui regardent ces vidéos. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle nous dit pas tout? Ma famille qui me voit comme ça, vous inquiétez pas, ça va. Hein. Tout va bien. En vrai, j'ai rien de grave. Hein. Bon, bref. Du coup, bah, je vais clôturer la vidéo là. Je suis désolée, il n'y aura pas de. Oh, je vais prendre un candy job, ça va me faire du bien. Crêpe, waouh. Je refuse d'être comme ça. J'intériorise beaucoup. Et des fois, je craque. Parce que je déteste être triste, je déteste me plaindre, je déteste tout ça. Je déteste, j'aime pas. J'aime pas parce que pour moi, je suis pas à plaindre, quoi. L'application Phoenix, je suis très mitigée en fait. Genre vraiment. En fait, le problème de Phoenix, c'est qu'ils mettent pas à jour leur restaurant quoi. Là, à l'heure actuelle, je vous recommande pas Phoenix. Hein. Togo, c'est une valeur sûre. En plus, je trouve que c'est moins cher Togo que Phoenix. J'espère que cette vidéo vous a plu, malgré toutes ces péripéties. En tout cas, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Soyez au rendez-vous, comme d'habitude. On n'oublie pas, positivité, bonne humeur, joie de vivre. Et comme dirait Mimo, gratitude! Ma petite Mimo, je vous aime fort. Des gros bisous. Love you.